Salut, on est sur Matrix Arcane, une démo sous Unreal Engine 5 sur PS5. Ça tombe bien, hein, ça rend bien, ça rime bien. On va tester ça juste pour le plaisir. Enfin, peut-être que j'inverse, je sais pas, je sais jamais s'il faut que j'inverse ou pas l'axe Y. Ça dépend des jeux, des fois il est bien mis, des fois il est pas mis. C'est disponible pour le moment que sur PS5 pour des raisons hardware. Puisque la PS5 a un SSD NVMe, chose que beaucoup de PC n'ont pas encore à l'heure actuelle, et que l'Unreal Engine 5 demande une vitesse d'écriture et de lecture insane. Et pour cela, à mon avis, qu'ils l'ont sorti que sur PS5 pour le moment. Même si ça devrait arriver l'année prochaine, je pense, sur PC, où on aura peut-être directement le jeu. Faut voir, faut voir. Bref, on va lancer, on est parti, let's go. Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that, why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how. C'est la motion capture, hein. On note. C'est incroyable. Là, vous vous dites, oui, c'est. For instance, I'm not even sure why I'm here. On en est là, quoi. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here, that it was important for me to ask people. How do we know what is real? Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Hi, I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered, what would identity mean in a completely digital world? And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own? Theoretical mumbo jumbo, but they needed some sexy action. Who said? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. Preparing me to fight the system? Right on. You know about this? Yeah. It's all supposed to be a little unreal. Word of advice. Agents are bad, but whatever you do, stay the hell away from marketing. See you soon. So, what now? Haven't you ever watched a movie before?
shoot the tires. Say no more. Alors là, on a un rail shooter, tout ce qu'il y a de plus classique, mais mais c'est trop bien. Ok, premier verdict, c'est très convenu, mais efficace. Alors, je sais pas s'il y aura une autre phase de gameplay, on va voir. Donc, ok, ça c'est la... Ah oui, d'accord. Ah oui, le rendu carrément d'affichage, incroyable. Incroyable, ouais. C'est pas de la triche, hein. On n'est pas la cyberpunk à côté. Dynamique illumination. Ok. Incroyable. Ah oui. Ah, je pense bien, j'aime beaucoup la nuit. Particule système, évidemment. Le visuel géométrie. Évidemment, ça c'est tous les polygones. Il y en a des millions, faut même pas chercher. Ok. Ok, d'accord. Temporal super résolution. Donc ça c'est voilà. C'est ça, s'il n'y avait pas ce module de résolution. Là pareil. Waouh.
Voilà, pareil, là il y en a des millions. Accélération pixel rendu affiché, vous voyez. S'il n'y avait pas ce... Je sais pas comment on appelle ça, voilà, le méta... Ah, le méta-humain. Voilà, qui permet justement d'avoir une résolution... Ah! Ah oui, on va pouvoir se balader. T'es sérieux? Non. Non. Ah, il nous donne la possibilité de se balader, trop bien. Ah, attends. Je me fais souvent avoir. Inverser la... Oui. Voilà. Voilà. Incroyable. Ok, d'accord. On peut... Ah oui. Ok, il y a le vol, mais à mon avis, c'est un truc qui n'est pas encore... Eh, mais si c'est un jeu... Par contre... Alors, sprinter, ok... Et on prend une voiture. Oh, le plaisir. Ah oui. Ah oui. Ah oui, j'y ai pensé. Bon. Là, elle roule encore. Oh, jusqu'où elle... On va essayer d'aller à fond. Ok. Bon, les gens paniquent pas, hein, c'est normal. On va voir si on écrase des gens. Je suis assez curieux. Ah oui, d'accord, ok, il y a l'effet strobo. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un effet à... Ok. Bon, il y a des détails qui manquent, mais c'est une démo, donc tout n'a pas encore été... Déjà, le fait juste de casser la voiture, déjà, c'est pas mal. Hein. D'accord. Oh. Incroyable. Mais du coup, j'avais une question. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah ouais, d'accord. On traverse les gens. Donc on peut... C'est très convenu, hein, pour le moment. Ok. On va essayer d'aller jusqu'au bout de la ville. Tu vois? Attends, si je rentre dans la voiture de police. Est-ce que... Non. Ah. Est-ce que je peux prendre la voiture de police? Ça, c'est la question. Non. Il y a quand même une limite. Oh là là, l'usage. Quelque chose me dit que si le jeu sort, on pourra créer notre avatar. Quelque chose me dit que ça sera une possibilité. Non, on peut pas prendre ça. Ah, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont utilisé le filtre de couleur qu'il y avait dans les Matrix des années 90-2000. Le format sépia, je pense que c'est ça qu'on peut dire, hein, c'est très sépia. J'ai envie d'aller par là. Graphiquement, c'est très très bluffant, hein, on va pas se mentir. Dommage qu'il n'y a pas d'effet de météo. Alors peut-être que ça, c'est un truc qu'il y aura sur la version finale. En tout cas,
Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir ce jeu. Puis il sortira, hein, parce que c'est tout, en fait, c'est juste une démo technique de Epic et voilà quoi. Mais là, il y a moyen de faire quelque chose de cool. Hein. Hop là, le petit effet, ça je m'en lasse pas. Hein. Attends, on va devoir un truc. Oh. Oh. Très intelligent ce qu'ils ont fait, vraiment. Alors tiens, on va aller jusqu'au bout et je pense qu'on va s'arrêter là. Mais la démo en tout cas est ultra bluffante. Hop. Hop. On arrive au bout. C'est vraiment incroyable hein, en termes de shader et tout. Enfin, c'est là, je dis ouvertement, elles ont. Bon, on va quand même faire un dernier tour. Hein, parce que je suis quand même un sacré sangouin. Il faut le reconnaître. On va prendre ce petit 4x4 là. C'est le plaisir. On va traverser là. Est-ce qu'on peut traverser là? Ah, j'ai envie de voir. Ah, attends. Je vais voir un petit coup. Fais-moi. Oh. On va essayer d'aller sur un toit. Ah, ils ont pas pu modéliser malheureusement le vol, ce qui est un peu dommage. D'ailleurs, je peux pas. Ah, je peux. Oh là 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 là. Incroyable. Il y a un coucher de soleil au loin. Je sais pas s'il y aura la nuit. Il faut voir. Ok, j'ai compris. Oh là là! Tiens, allez sur ce toit là. Ah! D'accord, ok. Il y a une limite à ce que je vois. C'est pas grave. Je pensais qu'on pouvait aller sur les toits, mais en fait, pas du tout. Ah, attends, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais, il y a carrément. Incroyable. Attends, c'est même pas des copier-coller, hein. On note, hein. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bureau. Ah, c'est de la génération procédurale, je pense, parce que ça... Il y en a, c'est très logique. Il y en a, c'est pas du tout logique. Hein. Bon, c'est quoi, hein. Oh. Là, fais voir, on est où? Ok, chargement instantané, hein. On note, hein. Fantica Bank. Alors, attends, fais voir un truc, là. On va prendre ça, conduire. Nerveuse. Ah!
La conduite a été... Mon stick est extrêmement nerveux. Allez, pousse-toi. Hop. Et là, si je fais ça... Ah non, je peux pas planer directement. D'accord. Bon, c'est long à sortir. Ça, c'est le vrai problème. Incroyable. Alors, attends, on avait dit... On est où, là? Ça... Il n'y a pas de carte, donc du coup je ne sais pas quelle est la taille de la ville, mais elle est immense, hein, vraiment. Je pense qu'elle est aussi grande que le jeu Spider-Man. En termes de superficie. Par contre, je ne saurais pas dire quelle ville c'est dans le monde, honnêtement. Oh là 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 là, c'est incroyable. Un truc. Oh là 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 là. Regardez ça. The crap. Ah, j'ai envie d'aller en face. C'est bon. C'est plat en face. Allons voir. Mais attends, ils ont... Waouh! Ah ouais, non, mais en fait, c'est comme une île. D'accord, j'ai compris. Est-ce que là, il y a quelque chose? On va voir. Dommage. Dommage. Il y a un mur. Ok. Ok, bon, je pense que ça fait l'équivalent de New York dans Spider-Man, donc c'est énorme. Oh là là là. Bam! Est-ce qu'on peut défausser les voitures? Non, on peut pas. Je me serais amusé à faire ça là pendant des heures. Hein. Ok. Par contre, hein, clairement, waouh, je crois que c'est le mot là. Et là, du coup, attendez, on va faire une dernière ligne droite. Juste pour montrer un petit peu le... Quand même la qualité. Oh là là, je vais plus vite en fait comme ça qu'en voiture. Hein. Je suis Néo. Même s'il va encore plus vite. Je crois que c'est dans Matrix 2 où on le voit... Le rocher. Où il va à la vitesse du son, il me semble. Mais ouais, oh là là. Je pense que là, y a plein de développeurs qui vont voir ça et vont faire bon. Ok, je dois reverser 6% de mes revenus, mais là on a quelque chose de totalement insane. Moi. Bah écoutez, c'est cool. Petite démo. Pas piquer des hannetons. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao.